Is it the first time you are watching this channel? Kindly subscribe, like, comment and share. And don't forget to put the notification bell on to not miss my next video. Thank you. L'encyclopédie collaborative en ligne Wikipédia est devenue depuis sa création une source d'informations incontournable pour la plupart des internautes. Et comme tu aimes faire des recherches tout comme moi, tu tombes fréquemment sur le site Wikipédia. Maintenant, je te demande si tu peux utiliser leurs informations proposées à bon escient. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais répondre à quelques-unes de tes questions. Are you ready? Let's go! Wikipédia est une encyclopédie universelle et multilingue, créée par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001. Il faut noter que 1. Wikipédia n'appartient à personne et son contenu est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Cette règle s'applique aussi au contenu reproduit sur le site. 2. C'est un travail collectif. Tout lecteur de Wikipédia, ainsi que toi d'ailleurs, est un rédacteur ou un correcteur potentiel. Et ça, c'est ce que explique le site. Tout le monde peut donc écrire, mais il faut accepter de se faire relire et corriger. Il existe cependant des utilisateurs bénévoles avec des droits d'édition des contenus étendus. Maîtrisant le fonctionnement de l'encyclopédie, ils sont chargés de suivre les articles de leur domaine de prédilection, où donc la sensibilité est reconnue. D'autres contributeurs sont des robots informatiques, qui modifient surtout pour des questions d'orthographe, même si certains sont aussi des véritables rédacteurs. 3. Mais en réalité, personne ne change jamais rien sur l'encyclopédie. Tout est gardé en mémoire et les anciennes versions des articles sont toujours disponibles. 4. La qualité des contenus est très finement scriptée par Wikipédia. Il existe de nombreuses règles et de procédés de contrôle de qualité, ajoute le site. Ce dernier met d'ailleurs en garde ses lecteurs en assurant ne pas être la panacée. Ils disent, je cite, « Nous vous prions de ne pas condamner Wikipédia, mais de l'utiliser en connaissance de cause. Aussi, comme des articles peuvent contenir des erreurs, nous vous prions de ne pas vous fonder sur Wikipédia pour prendre des décisions importantes. » Fin de citation. À cela, plusieurs études ont été réalisées pour déterminer le degré de fiabilité des articles scientifiques et vont quasiment toutes dans le sens d'une qualité égale ou supérieure à celle des équivalents payants. C'est peut-être différent pour les articles culturels ou historiques, davantage sujets aux interprétations. 5. Il y a plus de 55 millions d'articles rédigés en 300 langues. Les langues les plus prolifiques sont l'anglais et le suédois grâce à un robot dont la mission est de réaliser des ébauches d'articles. Mais notons que Wikipédia fait aussi face à de nombreuses critiques. Les principales critiques portent sur l'anonymat des contributeurs, l'absence de filtrage des éditeurs et de comités de validation, les problèmes posés par la neutralité des points de vue, la vulnérabilité face au sabotage ou vandalisme dans le jargon et la communauté des contributeurs. Les critiques de Wikipédia l'accusent d'incohérence, de partialité systémique et d'une forme d'anti-élitisme et d'avoir une politique favorisant trop le consensus dans son processus éditorial. La fiabilité et la précision de Wikipédia sont aussi des questions débattues. D'autres critiques portent également sur sa sensibilité au vandalisme et à l'ajout de fausses informations non vérifiées ou fausses. Bien que des travaux ont suggéré que le vandalisme est généralement de courte durée, lesquels semblent te donner plus de véracité sur les sujets actuels ou passés,
C'était Dorly sur les chips qui changent la vie. Bye bye!